Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale où je vais vous présenter les animatroniques de Five Nights at Chuck E. Cheese et leur mode de fonctionnement. Commençons dès maintenant. Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese est un animatronique souris. Il a un chandail mauve avec un C jaune dessus, des shorts verts et une casquette. Pendant les spectacles familiaux, il chante dans son micro pour amuser les enfants. Mode de fonctionnement. Il arrive par le hall devant vous. Fermez la grille pour le faire partir. Alan Henny. Alan Henny est un animatronique poulet. Elle a des cheveux gris, des yeux verts, une jupe noire et rose et des souliers. Mode de fonctionnement. Elle commencera à partir de la nuit 2 pour et se fera un chemin à parmi la pizzeria pour venir vous chercher par le conduit d'aération qui se trouve à votre droite. Fermez la trappe du conduit d'air pour la faire partir et elle s'en retournera dans l'obscurité. Mr. Munch. Mr. Munch est un animatronique monstre violet. Il a une casquette verte et blanche, de la fourrure violette et jaune, et des yeux verts. Et pendant les spectacles familiaux, il amuse les enfants en jouant de son clavier. Mode de fonctionnement. Même mode de fonctionnement que Chuck E. Cheese. Mais il est légèrement plus rapide que lui, et il commencera à venir à partir de la nuit 3 pour venir vous le chercher. Jasper T. Giles. Jasper T. Giles est un animatronique chien cowboy qui joue de la guitare lors des spectacles familiaux. Il commencera à partir de la nuit 4 pour venir vous chercher. Mode de déplacement. Même mode de fonctionnement qu'Ellen Annie, mais il est légèrement plus rapide qu'elle. Pasquale Moustache. Pasquale est un animatronique chef pizza qui joue de la batterie lors des spectacles familiaux. Dans le jeu, il est un Golden Freddy. Billy Bob. Détendez-vous. Billy Bob est à la retraite. C'est un animatronique ours qui jouait du banjo lors des spectacles familiaux dans le Rockefeller Explosion Band. Et mode de fonctionnement. Même mode de fonctionnement que Chuck E. Cheese et Mr. Munch. Et il sortira de sa cachette à partir de la nuit 5 pour venir vous chercher. Ne l'éclairez pas deux fois, sinon il va instantanément vous tuer et c'est sans issue. Chuck E. Cheese 1977. C'était un animatronique souris avec un chapeau rouge, un nœud papillon noir et une veste. Et pendant les spectacles familiaux, il chantait dans son micro. Mode de fonctionnement. Il se cache dans le placard qui se tient dans votre bureau à votre gauche tout le temps. Assurez-vous de le surveiller de temps en temps en lui balançant de la lumière au visage ou sinon il va sortir de sa cachette pour vous faire un jumpscare. Et il commencera à sortir de sa cachette à partir de la nuit 2 pour venir vous chercher. Et voilà, c'est tout ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à plus.